Merci. Je vais donner la parole à Jean-Paul Lecoq pour la gauche démocrate et républicaine. Merci beaucoup. Je crois que c'était au mois de février 2009. Ehud Olmert répondait à une délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président Akwaye suite à l'opération Plomb durci. La prochaine fois que nous irons à Gaza, vous entendrez les Palestiniens hurler et pleurer jusqu'au pôle Nord, jusqu'à ce que vous n'entendiez plus rien. Est-ce que c'est ça qui est en train de se dérouler actuellement à Gaza? Est-ce que cette phrase était prémonitoire? Est-ce que cette phrase était une phrase stratégique et déjà un plan dans les papiers du gouvernement potentiel israélien? La deuxième chose, c'est quand on parle de droit international, il faut mettre les gens à égalité. Si on veut avancer, si on veut avancer. Et le droit international, souvent, ça se passe entre États. Et la reconnaissance de l'État palestinien, c'est pas un bibelot comme ça un hochet que l'on bouge, mais c'est vraiment pour mettre les gens dans une situation de discussion, de négociation, de négocier des accords, y compris des accords de défense des uns et des autres, y compris des accords de coopération, y compris des accords commerciaux. Vous ne pouvez les négocier qu'avec un État si vous voulez que ce soit des situations durables. C'est pour ça que l'Assemblée nationale, je crois, sous la présidence de François Hollande, avait reconnu, peut-être à l'unanimité, à une très large majorité en tout cas, l'État palestinien, que la France avait eu cette reconnaissance de l'État palestinien. Et je pense qu'il faut avancer là-dessus. Après, il y a la question de qui veut reconnaître le droit international. Est-ce que réellement l'État d'Israël, qui quelque part est protégé par le droit international, qui a été reconnu par le droit international, a envie de le respecter. Parce que quand même, le nombre de résolutions qui sont bafouées, qui interdisent la colonisation, qui interdisent colonisation, que je rappelle, qui est aussi un crime en droit international. On n'en parle pas trop, on parle des bombardements, des assassinats, des exterminations. Mais la colonisation, en France, on a même osé faire le distinguo entre des colonisateurs violents et des colonisateurs qui ne le seraient pas, ça, c'est vous dire jusqu'où on est capable de faire le bémol, alors que dans un cas comme dans l'autre, on commet un crime. Est-ce qu'à un moment donné, cette situation, elle ne peut pas, y compris, être portée fortement? Parce que vous parlez de rapport de force, mais justement, dans un rapport de force, il faut aussi que des voix s'élèvent pour donner de la force. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié Jean-Paul, volontairement, on a le même prénom, donc on va le dire comme ça, parce que j'attendais des intervenants, cette référence au droit international auquel je suis très attaché. Et pour plein de raisons. Et moi, je ne l'aborde pas que sur la question d'Israël. J'en parle au Congo, j'en parle au Sahara occidental. Il a été bafoué aussi il n'y a pas très longtemps sur la question du Sahara occidental. J'en parle dans toute la dimension, justement, de l'existence des peuples et des droits des peuples sur notre planète pour pouvoir vivre en paix. C'est un gage de paix, ce droit international. Et donc, il faut se battre, non seulement pour le faire évoluer si besoin, mais le faire respecter. Ouais, mais j'ai vu des 3,50, etc. Donc je me dis que j'ai le temps. Si tu le dis. Et enfin, je voudrais d'abord vous remercier tous et remercier Monsieur Charby. Au début, j'étais inquiet, mais j'ai beaucoup apprécié Monsieur Charby que vous ayez ces mots de riposte palestinienne à la colonisation et de riposte d'Israël au 7 octobre, aux crimes qui ont été commis le 7 octobre. Dans les deux cas, vous avez montré qui avait des souffrances et qui avait riposte à des souffrances. Et c'est bien aussi de le rappeler comme ça. L'an zéro, je ne partage pas la notion d'an zéro. Non, la situation dans cette zone du monde n'a pas commencé le 7 octobre. Elle a commencé bien avant. Et les souffrances ont commencé bien avant. Monsieur Charby. Oui, pour toujours rester dans cette perspective politique, hein, je suis politique, je ne suis pas juriste, et encore une fois, je ne remets pas en cause du tout l'importance du droit international, mais je crois que l'acteur aujourd'hui clé, puisqu'on dit que Netanyahou s'est gelé, c'est-à-dire que ça n'avancera pas avec lui, que du côté palestinien, la capacité de dégager un leadership, elle est pas, on ne le sort pas comme ça spontanément. Pour moi, l'acteur aujourd'hui fondamental, c'est l'Arabie saoudite. Parce que l'Arabie saoudite, d'abord, il a les moyens de la reconstruction, parce qu'on parle de destruction à Gaza. Je dirais, le seul bon usage de la destruction, c'est qu'on peut reconstruire. Et comme de toute façon, la bande de Gaza, ce n'était pas non plus, je veux dire, ce n'était pas une capitale. Enfin, je veux dire, c'était beaucoup de camps de réfugiés. Donc, on peut reconstruire et articuler un projet politique.
Et là, ce projet politique, et c'est pour ça que l'importance du rapport de force, c'est que Trump, lui, veut cet accord avec l'Arabie saoudite. Il y a une tentation, là, qui est très problématique pour moi, de faire un accord bilatéral Arabie saoudite-États-Unis. Et là, la question palestinienne et la question d'Israël est marginalisée. Et c'est là où je dirais, voilà, politiquement, aujourd'hui, celui qu'il faut aider, celui avec qui il faut parler, c'est MBS. Pour lui dire, tenez bon sur la question palestinienne, ce qui n'était pas le cas avant le 7 octobre 2023. Et là, il y a peut-être quelque chose qui forcera Trump à se tourner vers Netanyahou. Je respecte les équilibres politiques qui existent actuellement. S'il y a de nouvelles élections, ça peut changer, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et Trump se retournant vers Netanyahou en disant, cet accord, je le veux, moi, je veux faire du business. On parlait de transactions. Et. Voilà, je dirais peut-être pour terminer, et je sais que je vais peut-être en irriter certains, mais il faut que les Palestiniens soient un peu moins drapés dans leur sentiment d'injustice et deviennent plus politiques. S'ils ne deviennent pas plus politiques, on ne s'en sortira pas avec cette incantation très respectable, que je comprends parfaitement, qui est vraie et juste au niveau des journalistes, des intellectuels, des écrivains, des poètes. Bien sûr, c'est ça leur devoir. Mais les politiques doivent faire de la politique. Et vous êtes des hommes politiques et vous devez avoir un comportement politique, c'est-à-dire, bah oui, de faire du donnant-donnant, du faire de la négociation. Et en l'occurrence, ici, considérant la situation actuelle, estimer que la seule issue que je vois, et ce n'est pas mon leader préféré, mais la seule issue que je vois aujourd'hui, c'est se tourner du côté de l'Arabie saoudite, qui a du levier, qui a un moyen de pression que n'ont pas les autres acteurs aujourd'hui. Merci, Monsieur Charby. Monsieur Khalfa, petite Oui, intervention. l'année zéro, mais si vous donnez la peine de lire le livre, cher député, vous verrez que. Ah, bah alors, à mon avis. Très bien. Mais peut-être que vous n'avez du coup pas compris l'idée, parce que l'année zéro, c'est précisément cette idée qu'au fond, le niveau de dévastation, le champ de ruines qui est la bande de Gaza aujourd'hui, les divisions qui fracturent la société israélienne et les divisions aussi qui fracturent le mouvement national palestinien sont telles que, c'est évidemment une métaphore, qu'on peut parler d'année zéro au sens où vraiment. Tous les paramètres ont été pulvérisés, si vous voulez, par le 7 octobre et la guerre qui en a découlé. C'est ce que j'avais à l'esprit quand je parlais d'année zéro. S'agissant de l'État palestinien, je suis d'accord avec ce qu'a dit Denis Charby et je pense qu'on a un accord ici avec Jean-Paul Chagnolleau. Si une telle initiative était lancée, il faut la politiser. Il faut obtenir de part et d'autre des concessions, mais en l'état actuel, déclarer un État palestinien simplement pour soutenir, enfin disons pour maintenir le principe d'une solution à deux États, la problématique, elle est très claire, c'est que vous n'avez pas un territoire unifié, vous n'avez pas de leadership unifié, vous n'avez pas de monopole de la violence physique légitime côté palestinien. Donc il faudra bien résoudre cette problématique et ça passera tôt ou tard par des élections. Pour relégitimer notamment l'autorité palestinienne. Le troisième élément, c'est, je pense que on a évacué, et tant mieux, la guerre de notre imaginaire. Et je crois qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se déroule à Gaza. C'est-à-dire qu'on a à la fois, en effet, en fait, si vous voulez, les calculs politiques de Netanyahou obscurcissent aussi la réalité du niveau de belligérance de l'adversaire. Vous avez au fond, deux guerres qui sont en train d'être menées. Vous avez à la fois une guerre, un combat en milieu urbain, et si on regarde ce qui s'est passé à Raqqa, Fallujah, Mossoul, le niveau de destruction de ces trois villes est assez largement équivalent à ce qui se passe à Gaza. Regardez les rapports de l'Amnesty International sur les pourcentages de destruction du milieu urbain dans les trois villes que je viens de citer, vous verrez qu'on n'est pas très loin. Et puis ensuite, vous avez en effet une deuxième couche qui est. Une vision politique qui est portée par Netanyahou et surtout par ses alliés d'extrême droite, Smotrich et Ben Gvir, qui veulent profiter au fond du choc, du traumatisme enclenché par le 7 octobre, je vais terminer, pour mener à bien un projet politique. Et ce projet politique, c'est en effet l'occupation de la bande de Gaza et la recolonisation du nord de la bande de Gaza. Mais en fait, je crois, je termine juste là-dessus, en un mot, je ne crois pas que ça puisse arriver. Parce que il y a une incompatibilité, si vous voulez, entre une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël et une réoccupation de la bande de Gaza
et une annexion de la Cisjordanie. C'est l'objectif de cette coalition israélienne, très clairement, qui est très nationaliste, mais elle va se heurter à un mur, parce que encore une fois, il y aura un choix stratégique qui va se poser à Israël. C'est soit le choix de l'isolement diplomatique, soit le choix de l'intégration sur la scène régionale. Merci. Bien, nous avons terminé donc le tour des groupes politiques. Nous allons passer aux questions individuelles. Une minute et une minute pour la réponse. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 9. Nous allons commencer par Jean-Louis Roumégas.